Tu m'as manqué, mec! Et salut, c'est Max! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur Freddy and Friends on Tour, épisode 3. J'espère quand même que le premier épisode et le fameux deuxième épisode vous aura plu. En tout cas, on s'attaque pour le troisième épisode, l'avant-dernier épisode, donc qui est le troisième. Et du coup, le prochain, ce sera le fameux dernier épisode. Donc, épisode 4. En tout cas, je suis content réellement. Qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode 3? Est-ce que on aura Bonnie qui va faire une petite réaction à Foxy? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça va être chouette. Ou réellement, on verra. Mais en tout cas, pas plus de blabla. C'est parti. Et je vous lance ça. Allez, c'est parti les amis. Friends are all here, got our ice cream sundaes and blowhos. We're diving into pizzas and burgers with cheese. Keep the french fries coming forever and ever. D'accord. Bon. On va un petit peu détailler tout ça. Alors on voit réellement que la cassette a un petit peu a été modifiée réellement, hein, donc fameux. Donc on voyait réellement Freddy and Friends on Tour réellement. Donc on voyait très bien. Là on voit un petit peu que c'est vraiment une vieille cassette qui a été endommagée. Je pense que ça le fait exprès au niveau qu'ils ont fait ça. Que je trouve comme ça, je trouve c'est vraiment sympa. Mais là, on est de nouveau Freddy and Friends on Tour. Là, on revoit que bah il roule toujours. Là, on voit réellement toujours la maison qui était présente dans quand Chica, etc. Là, on a pu découvrir. La porte n'est plus comme avant, l'endroit n'est plus comme avant, les murs ont changé, la porte, etc. Il n'y a plus l'étoile, il n'y a plus la porte rouge, réellement. On dirait que c'est une maison normale. Là on revoit Chica, etc., Freddy et Bonnie vraiment regarder à gauche et à droite, toujours. On a toujours les mêmes portes, hein, réellement, qu'avant c'était les portes rouges et jaunes. Avec une étoile jaune. Là, on voit que on a pu voir que là, on redécouvre Foxy et Bonnie. Bonnie, voilà, il est vachement calme. Et là, il y a toujours Freddy et Chica qui courent, mais Bonnie, il court lentement. Cool, papa, cool, hein, réellement, hein, cool, Raoul, hein. Et là, on voit que Foxy court toujours après, etc. C'est vraiment le même endroit. À part ici, on a de nouveau ici la maison. On a de nouveau Freddy. On a Freddy
Et Chica qui a fait énormément. Et Bonnie. Ok, d'accord, il fait des clins d'œil. Mais Chica et Freddy, il dit waouh! Ah! Vraiment pour dire réellement, mais c'est quoi de ça? Là, ils rechantent réellement toujours ensemble dans le restaurant. Plus réellement, du coup, dans la forêt. Et là, on voit réellement que quelqu'un marche. Donc là, à mon avis, je suppose que c'est Music Man. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'est Music Man. Ah non, c'est DJ Man. DJ Man. Ouais, c'est ça. Donc, on repasse un petit peu ici. Là, on revoit que je regarde un petit peu au niveau. La même comportu vraiment l'importance au niveau des choses. Il y a des grandes mains, donc ça veut dire qu'on a DJ Man. Donc avant dans le réellement au niveau de d'un autre animatronics, réellement ici que tu veux bien revenir un petit peu là, on avait pu rencontrer comme animatronics Soleil et Moon, donc Lune, Soleil et Lune. Donc le même personnage à part qu'il fait jour et nuit. Et là, on a pu découvrir DJ Man qui est apparu dans FNAF Security Breach et aussi qui a fait récemment aussi qu'on a vu aussi récemment dans FNAF Help Wanted 2 uniquement en VR. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Je me demande ce qui va se passer réellement. Hein. Est-ce que réellement, je ne sais pas du tout ce que ça va se passer. À mon avis, ce sera certainement au niveau, bah, ce sera certainement pour Foxy, hein, vu qu'on a Freddy qui était dans le premier, Chica qui était apparue dans le deuxième et qui a eu des petites cohérences à rapport au fameux deuxième, au fameux troisième qui est vraiment comme ça. Pour Bonnie, ben voilà, il n'a pas eu de réaction, il regarde juste un clin, vraiment baisser les yeux et revenir à lui. D'accord? Et qu'on voit que ben, ils courent tous ensemble. Donc voilà, je me demande comment on va réagir Foxy dans le prochain épisode et pour le dernier épisode, hein, réellement. Sur Freddy Unfriant on tour. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, les amis. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et n'hésitez pas à activer toutes les petites notifications de la notification de la cloche pour ne rien rater d'autre sur la chaîne, hein, sur d'autres concepts, mais d'autres styles de jeux que je fais actuellement sur FNAF The Glitched Attraction, mais aussi sur Case 2 Animatronics, 2 Survival. Et n'hésitez pas à mettre vos plus beaux et magnifiques pouces bleus sur cette magnifique vidéo. En tout cas, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo pour le fameux dernier épisode concernant à cette mini-série Freddy Unfriant on Tour. Allez, c'était Max, portez-vous bien et ciao tout le monde.